Donc, bonjour à tous, donc, je ne sais pas si vous me voyez, si ça marche bien, parce qu'aujourd'hui on va passer par un nouveau logiciel, on n'utilise pas l'iPhone, donc je ne sais pas du tout si vous me, si vous me voyez ou vous m'entendez. J'essaie de regarder rapidement sur mon iPhone. Donc aujourd'hui, comme je vous avais dit, on va se retrouver pour vous dévoiler l'événement de Noël, qui cette année est un petit peu particulier. Donc ça a l'air de passer, donc oui, moi je le vois en tout cas. Bon, voilà. Donc comme je vous avais, de toute façon ne vous en faites pas, ça sera enregistré en direct également. Alors, aujourd'hui je vous dévoile donc l'offre de Noël qui aura lieu du 1er au 17 décembre cette année. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, je suis très impliqué dans le monde des pompiers. Ancien pompier de Paris, toujours pompier volontaire, et cette année, c'est tout naturellement que j'ai décidé de faire une offre de Noël envers mes collègues pompiers. Alors, pour vous expliquer un petit peu, ça fait 3 ans que j'ai ce projet en tête, que j'ai voulu le développer. Ça implique beaucoup de personnes et ça demande surtout beaucoup d'autorisation. Vous allez très rapidement le comprendre. Donc cette année, en fait, je vais faire une offre qui sera pour les orphelins, les enfants orphelins de sapeurs-pompiers. Le métier de pompier est un métier, certes, il est pour moi le plus beau métier du monde. On a la plus belle devise qui est sauver ou périr. Malheureusement, lorsque cette tragédie arrive, lorsqu'un de nos collègues tombe en service commandé, outre le fait que nous soyons tous très très touchés dans cette grande famille, on a tous des familles avec nous, on a tous des femmes, des enfants. C'est une vraie catastrophe pour les gens qui restent. Moi, je l'ai vu il y a quelques années, quand je suis entré dans les pompiers de Paris, j'ai porté pour la première fois la tenue de pompier. Mon père avait les larmes à l'œil. Aujourd'hui, ma fille a les regards qui pétillent quand elle me voit pompier, quand elle parle du nom des pompiers, quand elle entend les deux tons, quand elle voit un camion rouge. Pour les enfants de pompiers, on est un petit peu des héros. Sauf que quand il y a un drame encore cette semaine, d'ailleurs, en début de semaine, un de nos collègues a eu un tragique accident et nous a quittés malheureusement beaucoup trop tôt. Donc c'est pour ça que j'ai décidé cette année de faire une offre de Noël pour les enfants qui auraient perdu l'un de leurs parents pompiers. Donc cette offre de Noël, cette séance de Noël vous sera offerte, donc j'ai bien offerte, c'est-à-dire que la prise de vue et 5 photos en haute définition retouchées vous seront offertes, sous une condition, c'est d'apporter 3 jouets neufs, donc je dis bien 3 jouets neufs par personne, en échange de cette prise de vue gratuite. Tous ces jouets seront remis à l'association ODP, qui est l'œuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers de France. Cette association a pour but d'assurer la protection matérielle et morale des orphelins et des familles des sapeurs-pompiers qui sont décédés en service ou non. Aujourd'hui, c'est plus de 1309 enfants qui sont pris en charge, ce qui est beaucoup, mais ce qui est magnifique de la part de cette association. Donc je vous invite vraiment, voilà, à communiquer sur cette offre, même si vous n'êtes pas intéressé ou vous voulez pas faire de photos, vous pouvez déposer les cadeaux, il n'y a aucun souci. Vous pouvez relayer les informations sur internet, partager. Je vais très prochainement mettre en ligne l'événement. Donc l'association ODP est partenaire de cette opération, ainsi que l'UDSP et le SDIS-10.
C'est tout simplement le service départemental incendie de secours ou l'union départementale des sapeurs-pompiers de l'Aube. Donc, vous comprenez pourquoi c'était long à mettre en place. C'est qu'il y a une entité nationale plus départementale. Il faut que tout le monde se coordonne, que tout le monde valide le projet, que moi de mon côté tout soit carré pour pas qu'il y ait de dérive. Donc voilà, donc je suis très heureux de vous proposer cette offre-là cette année à Noël, en partenariat avec donc l'ODP et le service départemental incendie et secours de l'Aube. La remise des cadeaux sera prévue normalement le lundi 18 décembre à l'association. On est en train de valider exactement si c'est bien le 18 et surtout à quel horaire. J'ai la grande chance que le Memphis se joigne à moi pour cet événement, tout simplement. Et ben, vous le savez, je travaille régulièrement avec eux sur différents événements. Et quand j'en ai parlé à JB, le patron, il a tout de suite voulu participer également à cet événement parce que je crois qu'on est tous touchés par des enfants qui auraient perdu des parents. Et puis, je crois que bon nombre de gens aiment les pompiers. Donc le Memphis se joint à moi pour cet événement. Vous pouvez directement déposer les cadeaux là-bas. Il n'y a aucune obligation d'acheter un repas, d'acheter une boisson là-bas. Vous pouvez déposer directement les cadeaux. Soit vous récupérez un bon cadeau. Un bon shooting pour venir faire les photos au studio, ou alors vous pouvez juste les déposer tout simplement. C'est pas une obligation de faire les photos si vous voulez juste faire plaisir à des enfants. Il y a aucun souci, vous pouvez les déposer donc soit au Memphis, soit au studio directement. Donc toutes les réservations, les informations, comment réserver en ligne, toutes les modalités seront affichées à partir du mercredi 1er novembre. Il y a déjà à peu près plus d'une centaine de créneaux. D'ailleurs, voilà, vous voyez, donc il y a à peu près 4-5 créneaux par jour et du 1er au 17, ce qui vous laisse largement le temps de trouver votre bonheur. Je pense que j'ai fait à peu près le tour sur cette offre-là. Donc voilà, donc c'est une prise de vue offerte en échange de 3 cadeaux par personne pour un enfant orphelin de sapeur-pompier avec en partenariat l'ODP, le service départemental de l'Aube et avec les mêmes participations du Memphis de 3 à Saint-Parot-Tertre exactement. Dans la zone B-Green. Voilà. Donc pour finir, je voulais vraiment remercier du fond du cœur l'ODP, le SDIS, le Memphis, toutes les personnes qui participeront de près ou de loin à cet événement, juste de partager l'événement sur Facebook, d'en parler autour de vous. Prochainement, il va y avoir des affiches également. Qui vont être distribués un peu dans les casernes des pompiers, qui vont être distribués au Memphis. Si vous avez un commerce et que vous voulez participer en affichant cette affiche, vous pouvez me contacter dès maintenant, je viendrai vous la déposer. Ça sera vraiment avec un grand bonheur. On va relayer l'information sur les réseaux sociaux et dans la presse. Il y a déjà plusieurs radios qui sont engagées à parler de l'événement, déjà plusieurs sites, plusieurs pages Facebook qui sont prêts à relayer cette information, cet événement. Donc je tenais vraiment à remercier tout le monde du fond du cœur, vraiment. Parce que vous le savez, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Même pour ceux qui me connaissent, ils savent que voilà, on le voit un petit peu là, mais j'ai la devise des pompiers, sauver ou périr, tatouée sur moi pour vous dire à quel point, voilà, le monde des pompiers, est important pour moi. Ça prend pas beaucoup de temps. Mais ce sont des souvenirs pour une vie, hein, pour vous, hein, et c'est surtout que ça apportera beaucoup de bonheur à un enfant, pour Noël. Donc vraiment un grand merci du fond du cœur, et j'ai vraiment une grande pensée pour ces enfants et ces familles dont l'un de mes collègues nous a quittés beaucoup trop tôt en exerçant certainement le plus beau métier du monde. Donc vraiment un grand grand merci. Alors apparemment ça marche pas vraiment, ça bug un petit peu, je suis désolé.
Elle est enregistrée la vidéo, donc je vous rassure, je vais la publier là d'ici quelques instants très rapidement. C'est le problème des connexions internet des petits villages. Prochaine fois, on fera une autre technique. Donc voilà. Donc dès le 1er novembre, vous aurez l'événement Facebook, vous aurez un article de blog, vous retrouverez toutes les informations utiles. Vous pourrez réserver. Voilà. Donc je vous présente en avant-première à l'affiche. Voilà, ça sera l'affiche de l'événement. Je tiens à remercier à Cindy et toute sa petite famille pour l'autorisation pour les photos de ces trois petites puces qui ont été merveilleuses. Voilà. Donc la vidéo est finie. Je vais vous la republier très, très prochainement là, dans la journée. Et en tout cas, je tenais à vous remercier pour tous ceux qui participeront de près ou de loin voilà, pour cet événement qui encore une fois me touche vraiment du fond du cœur, qui me paraissait importante de faire. Métier de photographe, c'est pas juste faire des photos et vendre une prestation, c'est aussi apporter un petit peu de bonheur. Et en période de Noël, je pense que c'est une des périodes la plus propice pour faire une bonne action, tous, que ce soit vous comme moi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.